Akatarwaya isa Saywatarana Gamungumagain Ashash akoma zolumi Saywatarana Mugumagain Akatarwaya isa Saywatarana Gatangatanku. Je veux vous raconter une histoire. L'histoire qui s'est passée devant moi. Dans un village, vivait un vieux qui s'appelle Bouddha et sa femme, Aïchatou. Bouddha a un fils qui s'appelle Bogo. Bogo, c'est pas un vrai nom. Il s'appelle Rachidou. Son fils Bogo est un enfant impoli. Un enfant qui ne respecte même pas son père. Il n'a pas besoin de respecter quelqu'un dehors. Sa femme Rama est une femme qui ne respecte pas les supérieurs, qui ne respectent pas son mari. C'est une femme qui... Je ne sais même pas quoi dire à propos de cette femme. Mais Bouddha est un homme digne, un homme sage, un homme bien déterminé. Mais comme on a l'habitude de le dire, Dieu ne peut pas donner tout à l'homme. Bouddha a sa femme, Rama et son fils Rachidou, qui ne respectent pas les gens. Un jour, Bouddha est rentré chez lui, dans la nuit. Il demande à sa femme, Aïchatou, j'ai faim. Tu as faim? Rien à foutre. Aïchatou, est-ce que tu sais c'est à qui tu parles? C'est à Bouddha, pas à quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à voir avec Bouddha. Kai, ni wa ay hankali wa. Nalan tsere Allah Bouddha kai hankali. Ni na kai inda ba a mun rashin kunya ba a mun iskanci. Aishatu, moi, regarde-moi bien, c'est Bouddha. Qui t'a dit que je suis aveugle? Je vois tout. C'est Bouddha. Je fais, qu'est-ce que tu peux faire contre? Rien. Bouddha est parti se coucher comme ça. Le matin, il demande encore. Aïcha n'a rien donné à Bouddha. Jusqu'à lorsque Bouddha a pensé de faire une co-épouse à Aïcha. C'est en ce temps que le dégât commence. Aïcha a entendu, on va lui faire une co-épouse. Là, il est là, c'est la fin du monde. Aïcha a insulté Bouddha, mère et père. Bouddha, il pense, elle a trouvé une solution. Tu peux le sauver. Elle a décidé de quitter son conséquence. Elle a décidé de quitter leur village. Dans la nuit, Bouddha, il s'est réveillé, il fait comme ça. Il ramasse ses affaires. Il a pris son enfant, Rachid. Il a mis comme ça, il marche. Il a déposé l'enfant. Bouddha, il court. Bouddha, il court, il court. Il fait des jours, des mois, des années. Il court. Jusqu'à Bouddha, il est fatigué. Et il s'est retrouvé dans un forêt garni. Dans ce forêt, vivaient des monstres. Il y a même des extraterrestres dans ce forêt. Bouddha marche, il regarde. Bouddha a peur. Il a peur. Bouddha a retrouvé une puits. Une puits qui s'appelle puits de Kadara. Elle s'appelle Rijekadara. Bouddha s'est assis
Elle a pris l'eau de ce puits. Vous va vivez. Comme il est fatigué, il a décidé de dormir comme ça. Bouddha, il dort. Il se réveille. Il a peur. Jelka, jusqu'à qu'il se réveille le matin, Bouddha s'est réveillé avec une chose miraculeuse. Une chose qu'il n'a jamais pensé dans sa tête. Bouddha s'est réveillé. Il s'est vu transformé à une fille. Bouddha s'est transformé à une fille avec ses seins bien déplacés. Ta. Bouddha regarde son corps, ses fesses. Mais pourquoi je suis devenu une fille? J'ai jamais pensé ça dans ma tête. Un homme, tu deviens une fille? Elle a encore pris l'eau de ce puits, elle a vivé. Elle regarde. Il n'est pas devenu dans son teint normal. Jusqu'à maintenant, Bouddha est resté une fille. Bouddha a continué sa route. Il marche des jours, des mois, des années. Bouddha marche. Jusqu'à il se retrouver devant un village. Un village qui s'appelle Ketsena. Dans ce village, c'est pas un homme le roi, c'est une fille. C'est une fille. Elle s'appelle Karima. La reine Karima, c'est une reine bien déterminée. Une reine qui aime ses peuples. Bouddha est rentré dans ce village. En marchant, il regarda les hommes. Il les regarde. Lorsque Bouddha est entré, elle a rencontré un bûcheron. Il est en train de couper le corps. Tac! Tac! Le bûcheron regarde Bouddha. Waouh! Quelle beauté! Quelle beauté! Jusqu'à elle a coupé sa jambe. Sans savoir même qu'elle a coupé sa jambe. Bouddha est continué. Il a rencontré un coiffeur. Il est en train de coiffer quelqu'un. Tu sais, nous, les coiffeurs, là, wallahi, on a hérité ça par nos arrière-arrière-grands-parents, wallahi. Et regarde Bouddha. Waouh, qu'une beauté fatale, une beauté rurale, certainement venue du ciel, jusqu'à la couper l'oreille de celui qui le coiffe, sans savoir qu'il a coupé ça. Oui, 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 mon oreille. C'est fini, Bouddha est passé. Il est rentré chez la reine. Karima. Bonjour. Bonjour, jeune fille. Mais toi, tu ne vis pas dans ce village. Je ne te connais pas. Tu viens d'où? Wallahi, moi, mon histoire, non. Je ne t'ai pas demandé ton histoire. Je te demande, tu viens d'où? Attends d'abord, je te raconte mon histoire. Non, pas besoin. Je te demande, tu viens d'où? Je viens dans un village là-bas qui s'appelle Maradi. Tambaya. Ok, tu viens de Maradi? Je connais les gens de Maradi. Ah bon? Oui, oui. Ici, c'est Katsana. Je connais Maradi. Ah bon? Oui, oui. Là où il se trouve des gobelins, non? Oui. Il y a des gobelins qui sont là-bas. Tao. Bouddha, la reine Karima a donné là où on peut déposer Bouddha. Toutou, on a amené à manger à Bouddha. Bouddha, il mange, il change comme il veut. Mais, partout dans le village, c'est le nom de Bouddha. Moi, dès la fille là, voilà, c'est moi qui vais la épouser. Moi, dès tout le monde, les jeunes, les vieux, même les filles poussent leurs garçons, leurs maris à d'aller marier Bouddha pour qu'elle ramène, pour qu'elle regarde même Bouddha. Regardez comment la femme n'aime pas qu'on lui parle de la qu'on épouse, mais elle pousse leur mari. Tao. Un jour, il y a un garçon qui s'appelle Moubarak. Le garçon là, lui-même, il est beau. Moubarak, c'est un guerrier. Moubarak, c'est un héros. Moubarak n'a pas peur de quelque chose de la vie.
C'est Moubarak qui apporte la réalité sur le terrain. Quand tu vois Moubarak, Moubarak, faut pas voir. Moubarak a épousé Bouddha. Jusqu'à, ils ont eu un enfant qui s'appelle Murtala. L'enfant Murtala aussi, lui-même, petit à petit, il devient un guerrier. Mais, faut pas qu'on oublie Achet qui est là-bas et son fils Mogobiri. Bogo est là-bas. Sa mère lui demande à mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Mère, laisse-moi, aujourd'hui ça rigole pas et ça rit pas. Je vais aller chercher mon père. Elle a pris son clin pour aller chercher son père. Il rentra dans le village qui s'appelle Katana. Il rencontra son père. Il le regarde. Mais celle-là, elle ressemble à mon père, mais elle est une fille. Pourtant, mon père n'est pas une fille. Bon, il pense. Il dit, yeah. Mais le vêtement-là qu'il se porte, c'est pour mon père. Je vais la demander là où qu'elle a retrouvé ça. Mais vous savez, si un père a regardé son fils, il peut savoir si son fils. Le père a regardé même Bogo, elle sait que c'est son fils. Elle a tiré Bogo dans le jambe. Elle a dit, fils, c'est moi ton père. Non, moi je ne crois pas. Mon père s'est transformé en une fille. Il dit, Bogo, écoute, où est ta maman? Il dit, elle va même venir ici avec nos peuples du village pour qu'on puisse abattre ce village, pour qu'on récupère mon père. Non, pas besoin qu'on fasse ça. En ce temps, Moubarak est derrière. Il leur écoute bien. Il entend qu'on va les attaquer. Hop! Moubarak, lui aussi, elle a pris son clin. Ils sont préparés, bien préparés. Les armes, les outils et autres, bien préparés. Tout le monde s'est retiré comme ça. Bogobri et ses gens sont retirés. Murtala et ses gens sont retirés. Moubarak, tout le monde s'est retiré comme ça. Hop! Lorsqu'ils vont se mélanger, un, deux, trois. Yes! Pac! Ils ont entendu une musique qu'ils n'ont jamais entendue de leur vie. Takar takar dum putubun, takar takar dum putubun, takar takar dum putubun, takar takar dum putubun. Les clans de Bogobri ont commencé à danser. Takar takar dum putubun, takar takar dum putubun, takar takar dum putubun. Jusqu'à les clans de Moubarak, écoutez un peu. Ah, écoutez. Moubarak, tu écoutes? Takar takar dum putubun, takar takar dum putubun. Jusqu'à les hommes mis à danser, à danser, à danser. Ils ont dansé jusqu'à en fatiguer. Ils ont même oublié l'histoire de la guerre. Tao! Et Bouddha s'est mis au milieu. Il dit, yeah! Arrête-moi cette musique. Tout le monde s'est arrêté comme ça. C'est moi qui a sémé cette guerre. C'est moi qui a sémé cette guerre. C'est moi Bouddha, non? Donc, je veux vous dire la vérité. La reine Karima dit non. S'il vous plaît, la reine Karima, laisse-moi dire la vérité. Moi, je suis le père de Bogobiri. Et moi, je suis la mère de Murtala. Mais par comment? Vous ne pouvez pas savoir. Je garde le secret dans mon cœur. À partir de ce temps, il n'y a pas la guerre entre Katsana et Gobera. Et c'est l'amour. Et c'est le cousinage qui est rentré entre Gobera et Katsana. Maintenant, le Gobera et Katsana sont ensemble. Ce sont des cousins. Kankuros Kankusu Kusuba et Tchankana Sede et Tchankou. Bouddha, Wayo, Bouddha, Baba.